Bonjour à tous, bienvenue, oxygène not included, les portes se referment, il va y avoir une tempête d'astéroïdes. Alors j'ai eu un souci quand même là, c'est que je manque d'électricité. Donc ils étaient restés tous ici, ils n'arrivaient plus à redescendre. Du coup ils ont fait pipi partout et ça s'est transformé en phosphore liquide. Et là l'appareil, ben il a trop chaud, l'autre aussi là-bas. Wow, alors du coup j'ai dû ouvrir ici pour qu'il puisse repartir. Mais ça va pas, je manque de temps en temps d'électricité. Donc je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais améliorer ça. Alors je crois que le mieux ça serait ici là. Ouais, ici là. Bon, là ça marche pas trop mal. Alors je manquais d'électricité parce que j'avais fait les travaux en 8 là-haut. Et il venait plus tourner l'appareil ici pour alimenter le générateur. Donc du coup, ben c'était foutu quoi. Alors je pense que je vais mettre un deuxième générateur, mais il me faut déplacer des batteries. Alors celle-là, on va la démolir. Et celle-là, on la démolira après. Ok, et je pense que je vais faire... Et là je vois quoi? Charbon, j'en ai très peu, 5 kilos. Ah bon? Pourquoi j'ai plus de charbon? Bon, on va faire une échelle là. On va essayer de récolter comme ça les trucs qu'il y a ici. Et là, il y a du charbon. Très bien. Tout ça, je peux le creuser, ouais. Donc, je pense que je vais mettre des batteries par là. Je sais pas s'ils vont venir là. Voilà, qui détruisent celle-là, je vais mettre la batterie intelligente donc à la place. Voilà. Ici, en quoi? En or, en fer, en or. Allez, en or. Ok, on va la mettre là. Je pense qu'on va la faire en 6 quand même, sinon ça va, y a rien qui va avancer. Et je vais peut-être même mettre en 6 tout ça. Voilà, j'aimerais bien que ça avance. Celle-là, il me faudra la démolir. Je vais faire un câble. Un câble, ça passe les échelles, oui. Donc, un câble ici, je pense. Voilà, qui va sortir là. Et les batteries, eh bien, on va les mettre en bas. Bon, on pensait à venir construire, là. C'est pas le tout de démolir, les gars, mais... Alors je vais peut-être faire donc 1, 2, 3, je vais faire un petit stock quand même de batterie, une là, et une là. On va faire une dalle ventilé en fer. Ok, on met tout ça en 6 comme ça. Ils vont tout faire en même temps avec la même priorité. Voilà. Donc là, ils n'ont toujours pas construite. J'espère que ça va pas tarder. Allez les gars. Celle-là, on n'en a pas besoin d'échelle. Hein. Le stress est à 5%, l'immunité, il n'y a pas de souci maintenant qu'ils ont les combinaisons. Voilà, en même temps, ça leur permet de récolter du charbon, ce qui est très bien. Et personne ne vient faire celle-là. Si, ça y est, non? Ouais. Un amalgame d'or. Ok, là ils ont fait le trou, donc on va mettre le câble de jonction en fer ici. Ouais, et des gros câbles électriques en fer. Ok. Tac, ah ils vont pas pouvoir... Ah si, c'est bon. Voilà, j'espère que ça m'assurera un stock suffisant.
Est-ce qu'il faudrait pas mettre en premier une batterie intelligente? Je sais pas trop. On verra bien. Bon, celle-là, il faut la paramétrer. Active en dessous de... On va mettre 60. Voilà. Elle n'est pas branchée? Pas de câble automatisme. Ah, zut, oui, c'est vrai. Vite, vite. Alors, celui-là, il faut le faire assez rapidement. On va le faire en fer. Un 8, tant pis. Voilà, il faut le faire assez rapidement. Sinon, là, ça marche plus. On ne va plus avoir d'électricité du tout. Oh putain. Venez avant la nuit, les gars. Oui. Et là-haut, comment c'est? Il y a du jus. Non. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et c'est fermé, ça va. Là, je vais peut-être refermer. Ah, mais j'ai pas de jus. Ouais, c'est bon. Oh, bah d'accord. Il les rouvre, c'est l'automatisme qui les ouvre, d'accord. Alors, faites au moins le câble là, s'il vous plaît, rapidement, d'automatisme. Il manque un peu de fer là. Ouais, c'est bon. Ah, il a livré, il est parti. Ils sont fainéants, ces duplicants. Voilà, il suffit que je dise ça. Ok, allez, maintenant on fait ces batteries là. J'espère qu'on aura une réserve vraiment suffisante. Camille, t'as faim? Ben, va manger un morceau, on a plein de bouffe. Oh, on risque de déborder là. C'est quoi ce beans là? Pourquoi on va déborder? Là, on prend de l'eau, mais on n'en met plus beaucoup. Hein. On n'en met pas beaucoup de l'eau. C'est embêtant, ça marche pas très bien le système là. J'avais mis combien? 20 degrés, on va mettre 25, 23. Voilà, il faut vraiment que ça remette un peu d'eau, quoi, parce que là. Ah ben, ça y est, c'est rebloqué. Ouais, elle est vite chaude cette eau là. Elle est très polluée, celle-là aussi, mais j'ai ma station là qui marche pas trop mal avec le chlore. Ça va. Alors, est-ce qu'il a eu le temps de produire assez d'électricité pour réalimenter là? Ouais, limite, limite, non, pas assez. Alors, donc, ce que je voulais faire, allez, ça y est, le jour revient, on est au cycle 690. C'est de mettre un autre générateur à partir du pétrole. Ici en bas. Là, voilà. Électricité, générateur au pétrole. On va le faire en or ou en fer. C'est la même température de surchauffe. Non, on va le faire en or. 800 quand même. Et 5 kg de plastique. Un 8. Ouais, je suis preneur. Je peux pas le mettre là à cause du câble. Ok, très bien. Et je crois qu'il sera même sur le réseau automatisme. Parfait. Voilà, venez le faire rapidos. J'aimerais bien qu'il se mette en route pour amener davantage de puissance. Voilà, c'est bien. Au niveau de la santé, ils sont comment là? Il serait peut-être temps de s'en intéresser un peu. S'y intéresser un peu. Ah ouais, 51 Harold Auto. Camille Mima. Oh. Harold Otto, Camille Mima. Bon, ben vous allez venir là un petit moment, les gars. Alors, Harold Otto. Allez, venez vous faire soigner, les copains. Camille et Mima. Ça va faire de la main-d'œuvre à moins, mais tant pis. Qui venaient se soigner là, j'ai vu à leur tête qu'ils étaient pas très contents. Ici j'ai un scaphandrier, ouais, c'est quand j'avais ouvert là-haut. Donc je pourrais là-haut dire d'en remettre un, de forcer à en remettre un. Ici, là, quelque part, voilà, déposer un exosuite.
Là, l'eau, c'est reparti, le geyser, là, donc ça va. Celui-là va pas tarder à se remettre en route, je pense, 14 cycles. Ouais, on a toujours bien de l'hydrogène, ça va. Ici, on est full en gaz naturel. Lui, il va s'arrêter dans 19, 18 cycles. Là, on a le plein d'eau aussi, mais tout est plein là aussi, donc ouais, on n'est pas trop mal. Ici, il atteint la chaux, d'accord. On a encore de fossiles, on n'en a plus. On n'a plus de fossiles. Ça, c'est embêtant. Pour faire de l'acier. Des coquilles, on en a. Ouais, on en a. Ça veut dire qu'il va falloir retrouver de la chaux. Et la chaux, il faut aller en bas là. Mais j'aimerais bien qu'ils construisent ça d'abord, moi. Allez, les gars. Qui viennent, non? Non. Il va où? Il a ramassé des coquilles d'œufs. D'accord. Et personne n'avait ici, là. On est à 8. Ah ouais, avec les 4 malades que j'ai, ouais, ils sont là en train de se faire soigner. Bon, la grimace, encore, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les soigner, mais. Personne vient les soigner. 4 à moins, c'est énorme sur 12. Bon, là, ça marche. On envoie toujours du jus quand même. Ils vont venir le faire tranquillement. Ici, pour le verre, on en est où? Bon, ben là, c'est terminé. C'est très bien. On va pouvoir, je pense, lancer la fabrication de verre en fusion. Alors je sais pas, on va en faire 10, on va voir. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, là c'est le soir, ils vont pas venir maintenant. Là on est assez embêtant parce que ben chaque fois que ça s'ouvre là-haut après une tempête, ça envoie des cochonneries. Je pourrais éventuellement me prolonger là. Bon, on va faire ça, on va faire un escalier ici. Voilà pour le câble, attention que il reste pas trop de matériel, de matériaux chauds. Ça aussi. Ça pour le broyer, j'ai juste à faire ça. Tac. Voilà, ça marche. Donc là, au niveau de la recherche, on a déjà exploré les deux premières planètes, hein, avec le télescope. Donc on sait ce qu'il va nous falloir envoyer. 5 modules de recherche. Ici, on a du charbon et du carbone, pas mal. Là aussi, d'accord. Ben, on va lancer la recherche sur cet objet-là qui sera un peu plus loin. Alors là, oui, pour la surchauffe de ce truc-là. Je pense mettre, on va voir si ça marche, une plante de Wisward. Alors, il veut pas me la planter? Ah, elle peut pas à cause de l'appareil, d'accord. Donc on va détruire ce truc-là, tant pis. Et ça pour rien. Ouais, bon, tant pis, ils vont rester détruits, ils les réparent au fur et à mesure, tant pis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un bal. Allez, les gars. Ça y est. Le deuxième générateur est en route. C'est parfait. Et il va falloir aller chercher un petit peu de fossiles. Où est-ce qu'on a ces bébêtes-là? Là, on n'en a plus. Là, on en a un peu, mais si j'ouvre, c'est un petit peu embêtant. Là, on en a pas mal, là. Mais attention à pas casser là-haut. Ouais, on pourrait faire ça. Ça pourrait se faire. Hein. J'en ai en bas là. J'en ai tout droit là. Donc je pourrais fermer là à la limite. On va mettre une dalle. Oh, pas un 8, pas un 8 malheureux. On va faire ça en 5. Là, j'ai un
petit peu de fossiles, mais il y a du pétrole en bas là, ça m'embête. Vous voulez que ça fasse un truc tout droit? Ouais, faut qu'il ferme ça d'abord. Et pour qu'ils atteignent ça, il va falloir mettre quelques petites échelles. Voilà, je pense que ça ira là. Voilà, faites ça, ne vous faites pas enfermer les gars, c'est pas le moment. Voilà, c'est bon. Ce que j'aimerais bien là. Pour rehausser le niveau là. Il y a un petit peu de fossiles ici, là. 600 kilos, 3 fois 680 kilos, c'est pas mal. Bon, là, on va en récupérer, c'est déjà bien. Là, il y en a pas mal. Ok, c'est bien. Pense qu'on va vider cette poche avant d'attaquer en bas là. On va mettre un 6, un truc là. Un truc là. Mais bon, on peut faire ça. On va faire quoi? On va faire ça. Ok. C'est le soir. Ah, il y a un petit morceau, c'est du cuivre. Ah non, fossile, d'accord. Morceaux qui n'ont pas pu récupérer, voilà, ils vont le voir. Je pense que là, je vais ouvrir par là et hop, le pétrole va se déverser ici et il devrait, j'espère, arriver là. À moins que. Bah, je pourrais pas te commencer par ouvrir ici, hein, avant d'aller là-haut. Voilà. Bon, l'électricité là-haut, ça devrait fonctionner. J'ai pas encore regardé, mais ça devrait. On va faire, voilà, une ouverture comme ça. De ça, ils peuvent le creuser également. Voilà. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. De fer. Très bien. Allez, c'est le petit matin. Il y a toujours ce freeze au petit matin, là. Il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, là? No liquid intake. Ah, zut. ah oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, et bien on va. Bien sûr, il faut que ce soit alimenté. Mettre une conduite isolée. Un 6 et non pas un acier, non. Un roche sédimentaire. On va la faire un 7 là parce que là pour l'instant ben, il sert à rien, il marche pas. Voilà, allez. Venez faire ça, les copains. Là, ils vont en bas. Faire à l'échelle, je pense. Même pas. Allez, c'est l'heure de bosser. Voilà, toutes les batteries sont faites. Je vois qu'il y a apparemment il n'y a pas d'électricité qui arrive encore. Pourquoi? Je ne sais rien. D'accord.
Ben, ils sont allés en bas, ouais, ils ont les dalles à faire en bas et un petit peu embêtant. Le stress est à zéro, parfait. Bon, là, ça fonctionne pas trop mal. Là, ouais, j'aimerais bien que le niveau d'eau remonte hein, et que celui-là se mette en route. Il est encore pour 12 cycles. J'avais coupé l'arrivée d'oxygène ici, là, pour bien remplir les combinaisons. D'ailleurs, je pourrais même dire déposer une exosuite ici parce qu'il y en a une en bas qui ne sert à rien. Mais je vois que ben, ça n'a pas vraiment d'influence, sauf peut-être quand je leur dis de chercher. Ah oui, il va falloir le raccorder, je pense, de ces quatre-là. Parce que je dois plus avoir beaucoup, voilà, d'oxygène là-haut pour qu'il puisse faire sa recherche. Alors bon, là, les combinaisons sont pleines. Donc on va juste ben, raccorder à nouveau ce que j'avais enlevé. On va le faire en 7 ici. Voilà. Ça remplira de l'oxygène là-haut pour qu'il puisse aller chercher. Oh là là là. Ah, il y a toujours un bug là, ce qui est assez bizarre. On recommence, je vais faire ça comme ça. On va peut-être pas creuser l'abyssalite là. Et bien sûr, il y en a de partout ici aussi, donc ça me fait perdre un peu de temps tout ça. À tout moment creuser. Mettre un robot mineur ici, il supportera pas la température, à moins de le faire en acier, quoi. Mais l'acier, je suis en train d'en faire, j'en ai 470 malheureux kilos. Hop, on va broyer ça. Ici, il y a quoi? Ouais, c'est bon. Là, on a toujours de l'électricité. J'ai pas encore fait le système, le branchement de celui-là. Bon, c'est pas très très grave. Je peux même laisser ça, ça n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, ils vont perdre leur temps ici à creuser là. Et si je faisais un plancher jusque-là, ça reviendrait au même. Ou alors je continue avec les portes ici. Peut-être bien. Peut-être bien. Ah, mais il faut des fois l'acier. Et là, il faut 400. J'en ai 470, quoi. Elles sont en acier, mes portes. Ah non, un minerai de fer. D'accord. Bon, ben, on va faire des portes en fer. Ici, qui seront commandées de la même façon. Ça va rajouter. Non, j'ai pas besoin d'électricité, donc ça va. On va en faire là. Voilà. Je pense que je mettrai des panneaux photovoltaïques ici, là. Alors, est-ce qu'ils ont commencé à faire du verre, les cocos, au fait, là? Oui, non, peut-être. Je pense pas. J'étais à 10, je suis toujours à 10. Ouais, c'est parce que c'est en priorité 5. Bon, de toute façon, là, c'est la nuit. Bon, j'espère qu'ils vont venir faire ça à l'instant 7. Ouais, vous venez faire ça. Le fait qu'elle soit posée sur rien du tout, j'espère que ça va pas gêner. Et je vais pas mettre les dalles grillagées, on va voir. Si ça marche bien comme ça, je ferai ici aussi, là. On verra bien. Bon, celui-là, par contre, il marche plutôt bien, là, le robot. Il est pas très chaud parce que la régolithe ne le touche pas. 68 degrés, c'est parfait. Bon, ils vont venir ici, perdre leur temps à creuser. Eh ben, là, ils peuvent plus passer, tiens. Voilà. Il y en a qui vont venir, là? Qui est arrivé, qui arrive. Là, ils vont là-haut creuser, voilà. Oh!
Et voilà, c'est ce morceau-là qui pose le problème. Il n'arrête pas de le creuser. Et on voit le chercheur là-haut qui est en train d'observer l'étoile qu'on lui a demandé. Là, ce morceau, c'est pareil, je peux pas le creuser. Ce morceau de régolithe, il s'arrête plus. Il disparaît pas. Voilà, au moins ils pourront passer. Très bien. Ok. Bon, jusqu'à la prochaine. Venez faire ça, on a demandé. Acier? Non, 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 pas acier. Oh. Je crois que les autres, c'est un. Oh là là. Pas l'acier, malheureux. Un fer. Les portes. Et pourtant, je suis bien sûr fer, quoi. Mais du fer, oui. Allez, allez. Eh bien, il est en train de regarder un petit peu la planète. Là, on est à 87%, c'est parfait. En bas, ils ont dû raccorder le tuyau pour l'oxygène. Allez, on va essayer de leur faire faire de l'acier. Je vais le mettre en 7, on va voir. Quelqu'un amène du sable. J'avais normalement demandé à ce que l'on stocke du sable ici en 6, mais apparemment, ils n'ont rien mis, à peine très peu. Très peu. Voilà, faites les portes aussi, très bien. On va prolonger le câble d'automatisme qui est en acier, lui. Ah mais le câble, non, c'est bon. Ah, il vient là, mais zut. C'est peut-être pas le bon endroit. Ah ouais, elles vont rester ouvertes à celle-là. Zut. Ah, il me faudrait descendre ça d'un niveau, quoi. Ouais, d'un niveau. Ah, ça va être embêtant là. Ce câble-là, je pourrais le faire passer. Ah ben ça marche. Non, c'est bon, okay, tout s'est refermé. J'espère qu'il y aura assez d'électricité pour tout fermer à temps. Bon, il fonctionne, c'est bon. Ah, par contre, manuellement, ça les ouvrira pas. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça va pas, il faut que je modifie le câble d'acier, quoi. Il faut que de celui-là, ça reparte sur les portes-là, et celui-là, il faut le faire passer en dessous. Et c'est de l'acier. Allez, on y va. Donc celui-là doit venir là, ici. En acier en 7. D'accord. On va virer celui-là. Et les portes, il va falloir un pont. Pont automatique. Automatisme là, ici. On va le faire en acier aussi. Là, ce signal de sortie donc qui alimente les portes, eh bien, il va alimenter porte là. Est-ce que c'est atteignable tout ça? Oui. Là aussi, oui. Bon, vous viendrez faire ça, les gars. Je vois pas de vapeur. L'eau est à 25 degrés, elle va chauffer, hein. Ça devrait produire de la vapeur pour la fusée. J'aimerais bien les voir faire du verre là. Tâche assignée à quelqu'un, d'accord. Allez, on va passer la nuit. Et ils ont ce petit machin à faire en acier. Peut-être que j'aurais pas besoin de support comme j'ai fait là. Et que simplement les portes, ça devrait aller. Parce que j'ai vu que quand la régolithe passe, elle se transforme. Alors je sais pas
On va voir. Ouais, ça va bien marcher ou pas. Non, il faudrait que je mette du verre dessous. Allez, revenez les gars. Faire du verre aussi. Un tas de choses à faire. On va prendre un petit peu de recul pour voir. Bon, de loin je vois l'eau ici, c'est bon. Là aussi. Et le pétrole là. Ça va, ça fonctionne. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je vais simplement rajouter ici. Je vais le faire en 8 en acier. Bien sûr. Pédale poreuse à ce niveau-là. Bon, j'espère que là, j'ai réglé l'histoire du problème d'électricité. Est-ce qu'ils ont ouvert en bas? On va voir. Ils n'ont pas dû ouvrir parce que j'ai pas dit de creuser avant la petite échelle là. Voilà. Bon, ben allez, maintenant on peut ouvrir. Ils peuvent même pas besoin de l'échelle finalement. Voilà. C'est en 5, ça restera en 5. C'est pas ce qui presse le plus. Ah, il faudra creuser peut-être un peu plus vers le bas de façon à récupérer vraiment tout le pétrole. Oui, bah à l'occasion, on leur dira. On va leur dire de faire ça aussi. Donc là, le pétrole va arriver. Tempo, ouais, ils sont contents. Vous allez prendre la douche. Voilà. Et ça va remplir un petit peu le réservoir. Très bien. Et vraiment, tout va se déverser là, parfait. Ils peuvent s'échapper, c'est le principal. On a refait un petit peu de plaine d'ici. Là, c'est bon, ils ont fait les dalles poreuses, donc on récupère davantage d'eau. C'est très bien. Je vois que la batterie est pleine, les autres sont chargés un petit peu aussi. Et est-ce qu'ils ont fait du verre ? Oui, ils sont en train. Voilà, le verre qui tombe là-dedans. Alors, je ne sais pas où il est. On devrait le voir. Argile, eau polluée, vase. Je sais pas. Mais le verre, dans quoi il serait alors? Dans 10 verres? Non. Graines, non. Ingrédients industriels, non plus. Matériaux manufacturés. On n'a pas le verre là? Si, on a du verre. Parfait! Et on va le mettre à 1,6. Je ne vais pas monter plus quand même la résolution. L'eau, elle est montée à 26 degrés. Ben, ça ne la fait pas bouillir. On va voir. Il faut qu'ils en fassent d'autres. Hein, c'est pas grave. On a tout fait là. Les 10 de verre. Ah bon? Donc c'était dans. J'avais dit. Matériaux manufacturés, verre, j'en ai 250 kg, il m'en faut 400 pour faire un panneau. Donc, waouh. On va faire... voilà, 30, on va bien voir. On a dû faire monter la température là quand même. Verre, matériaux, il est à... 26 degrés. Oh, impeccable. Impeccable. C'est la nuit. Le verre est en cours de fabrication. Ici, là, c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Ah, oui, d'accord. Bien sûr. Il me manque un petit bout de câble. Voilà. Ici. L'analyse doit être terminée, je pense. Oui, voilà, on a notre astéroïde métallique. Avec des modules, il faudra des modules de recherche pareil, du fer, du cuivre et de l'obsidienne. Et glouton lisse en ressources. Très bien, mais il va nous falloir faire la première fusée qui permettra d'atteindre les 10 000 km. Là, d'accord, c'est fermé, ok.
Bon, ben c'est quand ils veulent, les gars. Hein. Venez bosser un peu si vous voulez. Là, on va le mettre à. Non, je vais laisser un 7. J'aimerais bien qu'ils reviennent finir ce petit bout de câble. Ça y est, il y en a un qui arrive là. Ok, c'est bon. Les portes devraient toutes s'ouvrir là. Pourquoi elles ne s'ouvrent pas? Ah ouais, d'accord. Eh oui. Quand on donne des ordres de destruction en même temps que des ordres de construction, ben, ils détruisent. Voilà, allez. On revient faire à ça. Le verre, on voit, il est en train de couler dans le tuyau là. Il est à combien là? 1718 degrés. Et il tombe dans l'eau. Paf. Parfait. Ça fonctionne plutôt bien. Vous êtes venus faire ça, les gars, là? Ou pas? Non, toujours pas. Ok, il manque trois petits morceaux. C'est atteignable. Oui, en attente de livraison. Et il n'y a qu'une porte qui est faite. D'accord. Voilà, ça y est. Paf. Comme ça, elles vont s'ouvrir. Stinky, lui, ne fait que la livraison. De feignant. Donc il va falloir attendre qu'un constructeur arrive. Et on est gêné presque par ça. Voilà. Je voudrais vraiment mettre au moins un panneau solaire, voire deux. Alors si le système ici fonctionne, c'est-à-dire que quand les portes vont s'ouvrir, se fermer, si ça fait pas tomber de la rigolite, mais juste des trucs comme ça là, ça me suffit, ça m'ira bien. On verra, faut qu'il y ait une tempête. Pour l'instant, ça va, il n'y a rien. Des pannes d'électricité. Ah, pas cool ça. Les générateurs qui suivent plus, les batteries là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, pourtant celles-là sont pleines là, c'est ça qui est assez étonnant. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt les mettre derrière? Pourtant, je sais pas. Est-ce qu'elles n'ont pas la même capacité? Donc c'est pour ça qu'elles sont pleines plus rapidement, ces batteries automatiques là. Bon, là, ça fonctionne. C'est bien, envoie du pétrole, vas-y. 1 sur 2, parfait. Très bien. L'eau polluée, ça va bientôt déborder. Est-ce que j'ai du charbon qui arrive? Longtemps que j'ai pas vu de charbon. 0 kg. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je fonds mes bébêtes. Et là, il n'y a plus de nourriture là-dedans? C'est un 6. C'est vide, non? Contenu aucun. Oh! M'étonne, elles vont crever la dalle, les bébêtes, là. Bon, je le mets en 7, c'est embêtant. Et lui, c'est pareil, là. Il a un petit peu de bouffe, mais pas énorme. Ah ouais, d'accord, là, ça fait un moment qu'on les nourrit plus, là, alors. Et ils sont où, les rancheros, là? Oh, panne d'électricité générale, normal, il n'y a plus de charbon, et c'est la nuit. Ouh, ouh, ouh. Oh, zut alors. Tout ça pour... Alors, on va faire ça. Un 6, on va mettre un sol ici. Là, il y a une... Ouais, c'est bon, il y avait une plante, mais ça va. Et on va tâcher de passer. Ils peuvent passer là? Oh là là, oui, mais ça va être un peu long. On va passer donc par là. Il y a la plante qui me gêne. Ah, et on va creuser le peu de charbon qu'il y a là, quoi. Il faut, c'est vraiment dommage. Et là, il y a de l'hydrogène. J'ai pas trop envie de l'ouvrir. Ah, zut, embêtant.
Venez vite et ravitailler les bestioles là, parce que là. Ah ouais, mais j'ai plus de charbon. Ouh là là, ça craint là. Là, ça craint un peu. Lui là, il est un remplissage manuel éventuellement. Autoriser l'utilisation manuelle. Oui. Un 7. Oula. Ça va être chaud. Bon, et eh bien, ça sera pour le prochain épisode. Voilà, qui sera dans quelques jours. Là, je vais pas pouvoir mettre des vidéos pendant quelques jours, mais ça va vite revenir. Allez, à très bientôt, les amis. Bye bye.